La problématique, elle est toujours la même en ce qui concerne les déplacements. Donc les courses croisées, on a été mis en difficulté. Une fois comme ça ici, et puis une fois sur une course là où on ne s'est pas suffisamment parlé. Ok ? Au niveau, ça c'est l'aspect défensif. Évidemment, des tonnes de courage. Maintenant on dit 10, ça ne change rien du tout. C'est pas à 11, on n'aurait peut-être pas plus marqué. On s'est procuré des occasions, tout va bien. Il va falloir courir pour 11, mais ça c'est pas le problème, on va le faire. Ça c'est pas le problème. Offensivement, attendez, parce que si on, à chaque fois qu'on récupère la balle, on joue dans cet espace-là, il faut laisser le temps donc à Silver de venir là. Donc Silver, il faut faire les deux rôles. Il faut être ici, et puis dès que l'équipe se replace, si toi t'es pas au ballon, il faut venir ici, mon grand. Après, bien sûr, plus de courage, plus de repli défensif, et puis après, l'occasion, on va l'avoir. L'occasion, c'est sûr et certain qu'on va l'avoir. Croyez-y! Moi, j'y crois dur comme fer. Je suis sûr et certain qu'on va le faire. Et le stade? Donc là, il est en train de faire comme ça. Et puis dans 10-15 minutes, voilà, si on est toujours 1-0, le stade, il fait comme ça, une occasion, et c'est fini, c'est la fête. Et après, il n'y a plus que nous sur le terrain, on vole. Ok, les gars? On y croit! On y croit, on a la foi! On a la foi! Jusqu'au bout! On se lâche pas, hein? On se lâche pas. Ok, les mecs? On va le faire! On va le faire! À chaque fois qu'ils ont des ballons difficiles, ça dévisse parce que le terrain n'est pas facile pour eux. Ça va dévisser une fois, une frappe, machin, ça suffit. On va revenir! On va revenir! Allez, allez, okay, allez! Croyez-y! On ne se décourage pas aujourd'hui! Allez, hein! On ne se décourage pas! Tout ce qu'on fait, c'est bien! On va le faire, là! Croyez-y! Tous ensemble! Tous les efforts! Allez les gens, allez! Allez! Que quand on est dans un match de football comme ça, qu'on prend le premier but contre son camp, l'expulsion bien sûr avant, le deuxième but qui est contré, le troisième but où Landry c'est pas trop une interception avec je pense un petit peu de malchance, on sait pas où est le ballon, c'est difficile de gagner un match. C'est vrai qu'on a, je pense que vous en avez encore tous sous la semelle un petit peu ce soir, c'est un petit peu ce qui est regrettable. Voilà, c'est comme ça, c'est le football. De toute façon, bon, bravo pour notre exceptionnel début de saison. On a vu qu'il y avait encore un petit peu de boulot pour arriver à la qualité de jeu d'une équipe de CFA, parce que même sur ce terrain-là, bah, ils ont quand même déployé du jeu, donc il faut reconnaître un petit peu leur supériorité. Et encore une fois, quand on a tant de malchance dans un match, c'est difficile d'aller à la performance. Alors maintenant, il faut bien sûr se reposer, donc on va faire 15 jours de break. Faites autre chose que du foot, parce qu'après, on est embarqué donc jusqu'au 1er juin, pour faire quelque chose que, comme les 32e de finale, Pagny n'a jamais fait, c'est-à-dire être champion de Lorraine. Je vous promets que si on est champion de Lorraine, ça sera plus beau qu'un 16e de finale. Champion de Lorraine. La Espagne, champion de Lorraine. Donc on ne pense, à partir de demain, à partir de la semaine prochaine, plus qu'à ça, pouvoir hisser le petit village que vous avez mis en 32e de finale, champion de Lorraine. C'est un objectif immense. Et j'espère qu'une fois la déception passée, voilà, on va tous s'y atteler ensemble et qu'on arrivera à faire ce truc extraordinaire. En tout cas, bravo à tous et on se retrouve donc dans 15 jours. Ok ? Bravo les gars.